Salut à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo un petit peu spéciale car je vais vous donner une tactique pour économiser beaucoup d'argent, surtout si vous êtes un grand joueur sur PC. Donc alors c'est pas du tout une arnaque, hein. Vous pourrez regarder dans mes anciennes vidéos si vous n'êtes pas l'un de mes abonnés. Toutes les vidéos que je fais pour économiser de l'argent, c'est vraiment réel, ça fonctionne, c'est pas je me fais pas de l'argent dans votre dos, donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Donc en fait on va aller chez un revendeur. Donc, qui s'appelle G2A, il est très 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 connu, donc si vous le connaissez pas, eh ben, c'est grâce à moi que vous l'aurez connu. Donc en fait, le principe d'un revendeur, c'est très simple. Si on devait prendre ça par rapport à, bah, par exemple, un objet qui est vendu dans un magasin, c'est un genre de grossiste. Donc en gros, il vend en grande quantité beaucoup de jeux, mais à des prix réduits. Et donc en fait, on a plein de jeux qui sont 100 fois moins chers sur le site que sur Steam ou ailleurs. D'ailleurs, on va prendre un exemple. Je vais démarrer Steam si je ne l'ai pas déjà démarré. Hop. Je vais démarrer Steam et je vais vous montrer la différence du prix, donc des prix. Donc ça peut aller de moins 10% à moins 70%, ça dépend. Et donc ça va vraiment fonctionner. Donc moi-même, j'ai un compte chez eux, donc j'ai déjà acheté plusieurs jeux chez eux. Donc hop. On va prendre un jeu donc au hasard, pour le coup j'en ai aucune idée. Tiens, on va prendre un jeu qui est, on va dire Borderlands 2. R 2. Voilà, Steam CDK Global. Hop, on clique dessus et là on va voir sur Steam Borderlands 2, et là on voit très rapidement la différence de prix. Donc on a Borderlands 2 qui est à 10,99€. Bon, alors là en fait c'est pas, je vous expliquerai après. Bon, en gros il est à 10,99€ ici même. Oui, non, c'est bon, il est à 10,99€, mais vous pouvez l'avoir encore moins cher si vous rachetez le jeu à quelqu'un d'autre. Donc par exemple je l'achète à cette personne là, je vais l'avoir pour 7,95€. Bon, moi je préfère l'acheter chez G2A, au moins je suis sûr que ça fonctionne bien, je suis sûr de bien recevoir mon jeu. Donc en fait, comme on peut le voir sur Steam, on voit que le jeu est à 29,99€, alors que sur le revendeur il est à 50% moins cher, 10,99€. Donc c'est vraiment une grosse économie, hein, c'est 10€ de gagné, et si vous trouvez d'autres jeux à 10€ aussi bien que Borderlands, et bah, vous pouvez vous acheter deux jeux pour le prix d'un, donc c'est vraiment génial. Donc comment ça fonctionne? Vous allez acheter le jeu, donc vous pouvez payer par PayPal, carte bancaire, etc., etc. Vous allez payer le jeu, vous allez attendre du style 5 minutes, et après il y a une page de chargement qui vous dira veuillez patienter environ 5 minutes, et ensuite il y a une page qui va s'afficher avec le code clé, donc le code clé de Steam, donc c'est il vous suffira de le rentrer. Donc pour cela on fait jeu, activer un produit Steam. Voilà, blablabla, suivant, je suis d'accord. Et là, vous rentrez le code clé que vous avez reçu sur le site. Vous faites suivant, etc., etc. Et là, il va vous dire que le code clé est valide. Donc, une fois que c'est fait, vous n'aurez plus qu'à télécharger le jeu comme si vous l'aviez acheté sur Steam. Sauf que vous ne l'avez pas acheté sur Steam et vous l'avez acheté chez un revendeur. Il faut savoir que les revendeurs, le 3 quarts, font faillite parce que voilà, ils rapportent, ils regagnent pas énormément d'argent là-dessus. Mais je vous assure que G2A, qui est très connu, est très stable parce que beaucoup de gens le rachètent. Donc voilà. Après, vous avez une assistance technique. Donc, alors, je suis pas sûr qu'il parle français, mais bon, le 3 quarts d'entre nous parlent anglais, normalement, un minimum. Donc, il peut vous aider si vous avez un souci lors de la transaction. Et normalement, c'est très bien foutu d'ailleurs, parce qu'il vous faut installer un logiciel pour que eux puissent voir votre écran et vous dire quoi faire en temps réel. Donc, c'est vraiment bien foutu. Mais normalement, vous n'aurez pas besoin de parler avec l'assistance technique. Ça se fera tout seul, vous comprendrez assez rapidement. Donc, ça vous permet d'économiser pas mal d'argent. Tiens, d'ailleurs, on regarde Facebook, ils ont 296 000 personnes qui les suivent. Donc voilà, on se rend à peu près compte de ça. Donc voilà, ça permet d'économiser beaucoup d'argent. Ensuite, il y a un autre moyen, c'est de racheter, comme je l'ai dit, chez quelqu'un. Donc en fait, c'est quelqu'un qui va vous le refiler sous forme de cadeau. Et normalement, ça fonctionne quasiment tout le temps. D'ailleurs, vous avez la note d'évaluation, quasiment 100%. Ils sont tous fiables. Je l'ai déjà fait une seule fois, ça fonctionne très bien. C'est en fait comme si on vous offrait un cadeau et vous le payez encore moins cher que le prix normal.
Et G2A vous font payer 1€ en vous garantissant que votre achat fonctionnera. C'est-à-dire que si le code clé n'est pas valide, ils vous remboursent. En gros, c'est ça. Donc voilà, donc c'est vraiment très simple, ça permet d'économiser beaucoup. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Alors sachez que le lien, c'est un lien qui fait que vous devenez mon filleul, donc je deviens votre parrain. Donc en fait, ce lien, ça va me permettre de gagner quelques centimes, quelques euros lorsque vous ferez un achat. Et avec ces euros, j'aurai encore plus de réductions sur d'autres jeux. Comme ça, je pourrais faire encore d'autres jeux sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, c'est avantageux pour tout le monde. Et en plus, vous, vous payez rien supplémentaire, vous payez rien en moins. Et enfin, ça revient au même pour vous. Donc autant cliquer sur le lien dans la description. Voilà, une autre chose. Lorsque vous achetez un jeu sur un revendeur, ça sera jamais un CD, ça sera jamais physique. C'est toujours virtuel. C'est-à-dire que vous recevez le code clé. Et c'est tout, vous n'aurez pas un CD chez vous qui sera expédié à votre maison, blablabla, non, pas du tout. Donc vous attendez pas, soyez pas étonné si on ne vous demande pas votre adresse, bon, normalement on vous la demande, mais si on ne vous demande pas votre adresse parce que vous pensez qu'on va vous livrer le jeu, non, normalement il vous est livré sous forme de code clé dans les 5 minutes à venir, c'est quasiment immédiat, vous n'avez pas à attendre 3 mois, 20 mois, le temps que les stocks reviennent. D'ailleurs quand ils sont en vide stock, par exemple on va prendre Arma 3, hop, quand ils sont en vide stock, vous voyez bien qu'il n'y a pas marqué acheter maintenant, il y a marqué voir. Donc si on fait voir, voilà, ils nous demandent, si on veut vraiment l'acheter, ils nous demandent de nous prévenir. On voudrait être prévenu quand il sera de nouveau disponible en stock. Donc vous faites prévenez-moi, ou alors vous le vendez si vous l'avez. Ensuite, une chose auquel il faut faire très attention, souvent il y a marqué Steam CDK Global. Donc ça, Steam, c'est sur Steam, CDK, c'est le code clé. Et Global, ça veut dire tous les pays, sauf les USA, c'est marqué entre parenthèses. D'ailleurs, langue disponible, ça sera marqué ici. Donc si par exemple, vous prenez un jeu qui est, par exemple, Arma 3, on va reprendre le même exemple, je crois qu'il y en a qui sont disponibles seulement pour les US. Pologne, voilà. Je crois que c'est Pologne, je suis pas certain. Donc voilà, là, ils disent que langue disponible, c'est... Ok, d'accord, voilà, c'est en gros, c'est ces pays qui sont ces pays-là. Et la France n'est pas comprise dedans, ce qui fait que si moi j'achète le jeu avec ces pays compris là-dedans, il fonctionnera pas sur Steam. Il va me dire, attendez, vous êtes français, vous avez acheté un jeu polonais. Qu'est-ce que vous me faites là? Donc forcément, ça va pas marcher. Et il va dire que l'achat est invalide. Et en gros, vous l'aurez acheté pour rien. Pour être clair. Donc voilà, en plus, raison supplémentaire de faire confiance à ce site. Ah merde, on a quitté la page. Derrière, vous avez vu PewDiePie. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas PewDiePie, c'est un gamer sur YouTube qui a environ 23 millions d'abonnés, qui a un partenariat avec eux. Donc, voilà, quand on voit ça, on peut se dire, bon voilà, ça a l'air d'être un site assez fiable. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y rendre, à acheter vos jeux dessus, au lieu de payer de plein pot sur Steam. C'est avantageux, très avantageux. Voilà, donc si cette vidéo t'a plu, t'a beaucoup aidé, tu peux l'aimer, tu peux surtout la partager, ça m'aidera beaucoup. Et encore mieux, tu peux me donner ton avis dans les commentaires, me dire si t'as eu un souci ou quoi, et puis je verrai si je peux t'aider. Voilà, allez, salut tout le monde.